Et plop les gens, on se retrouve et j'ai choisi, alors j'ai lu vite fait les descriptions, le nid de l'harpie, il va y avoir les nouveaux ennemis, les harpies qui vont nous attaquer, donc voilà, pas spécialement envie. La vallée de la mort, c'est un endroit hyper inhospitalier, on va avoir du mal à se nourrir, je galère déjà sans que le jeu me rajoute des difficultés. Donc on va s'attaquer au lac gelé et... au lieu de vous décrire rapidement ce qu'il y a, autant que je vous le lise. L'Empire veut contrôler la région du lac gelé. Ce lac se trouve au centre d'un carrefour à haute valeur stratégique. Vous devrez construire une grande colonie autour, avec des défenses suffisantes pour bloquer les 4 points d'accès de la région. Bien que le climat ici peut être cruel, le lac est très riche en poissons et vous ne risquez donc pas de pénurie de nourriture pour votre colonie. Il y a donc des poissons abondants, approvisionnement en nourriture plus 30% dans les cabanes de pêche. Par contre, un terrain lent, les unités ont une vitesse de déplacement de 20% réduite de 20%. Et température froide, les bâtiments requièrent plus 15% d'énergie, sachant que l'énergie aussi, je galère, mais c'est pas grave. Voilà, parfait, et on va s'étendre, je préfère faire en horizontal, même si normalement, si jamais l'armée passe, elle va passer plus au sud que, non, plus au centre de la carte que là-haut, je pense. Mais on ne sait jamais. Attendez, est-ce que... C'est relou qu'on ne puisse pas faire un... Je pense qu'il sera là, le... ou là. Ouais, ou là. Alors, radar a rejoint la colonie. Pour la réparer, il faut de l'or. Oh, or, énergie, travailleur. Très bien. Alors, attaquer tous en priorité les ennemis les plus dangereux. Dit autrement, pensez à votre survie avant. Pensez à votre survie avant de... Enfin non, je pensais à la survie, c'est vrai qu'on... Intuitivement on dirait l'ennemi le plus proche, mais non. Je sais plus jouer, il me faut une scierie. 13, 15, 16 ici même. À 10, 11, 11. Sachant que là je peux avoir du 22, sinon j'ai 15.
faire essayer de prendre le 16 là-haut, quitte à avoir un 7 ou un 9 par ici. Ah non, je pourrais même pas. Ah ouais, mais du coup... Donc je vous ai dit à toutes et à tous d'attaquer les ennemis les plus forts. Voilà, donc on peut pas trop s'étaler vers le nord tout de suite. Il y a un beau village. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. C'est pas énorme, mais c'est largement trop. Faire c'est juste mettre un truc ici. Viens là, viens là. Nous, non, on va de l'autre côté en fait. C'est de l'autre côté qu'on va devoir attaquer. Voilà. Et ici, on va vouloir, on a dit mettre le 16. Oh, il y a un 13 là, mais il n'a pas l'air gêné. Le 9 ici, ouais, j'aurais pu mettre un 9 là, mais du coup, faut que je décale toutes mes maisons. Du coup, il aurait fallu laisser deux à partir de la pointe. Je le saurai si je dois recommencer. Oui, 40, c'est pas mal. Oh, dommage. 34, on va essayer... On va s'avancer. Alors ici, on va mettre un mur et je pense qu'on va en mettre un par là aussi. Mais avant de mettre des murs, il faut avoir du bois. Il y a 35, ouais, bon, bah on prendra le 25 de l'autre côté de toute façon. Pour le moment, le bois est beaucoup plus important. Ou de justesse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va faire des maisons. Tant qu'on peut, voilà. Il va falloir de la pierre, de l'énergie, ouais, on a dépensé tout notre or, on peut rien faire. Ça
C'est de la pierre, je crois. Oui. On va essayer d'éclaircir un peu la zone. De laisser peut-être qu'une seule ranger qui fait des allers-retours. Et après d'envoyer le soldat avec la deuxième ranger par ici. Pour qu'il y en ait une des deux, une des rangers entre celle qui fait le trajet et elle, qui viennent chercher la pierre. Est-ce que on a besoin de pierre? Ça fait combien ça? Ça fait 10, 20. De pierre, c'est tout ce qu'il nous faut. De pierre, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire des soldats et du coup s'enclencher. C'est quoi ça? C'est du fer. Ah oui, là aussi c'est une d'accord. Bon bah en fait, s'il y a des... S'il y a un village aussi ici... Ça change un peu les plans. Mais pas trop. Dire que attaquer au nord ou au sud, c'est un peu équivalent, enfin à l'est ou l'ouest, comme vous voulez. Faire le tour du lac en sens horaire ou anti-horaire, ça amène à peu près au même résultat, qui est que il y a des maisons à détruire. Donc, voilà. On a récupéré la pierre qu'on voulait, il nous faut de l'énergie qui va nous arriver bientôt. Donc, poser une caserne. On a 21, là on a 14, là on a 18, 21, 15. Est-ce que ces enclaves on les prépare pour deux?
La nourriture. Est-ce qu'on les prévoit plutôt pour de la nourriture ou pour du bois? Alors, attention, building completed. Of course, my commander. For the humans. Alors par ici ça passe. On va attendre la deuxième. 318. 478 et 200 d'un coup. On a 200 colons d'ailleurs. Donc on peut très facilement se dire que qu'on recherche tout de suite le marché pour le mettre là-haut ou là en bas. À voir. Alors le marché, oui, en priorité. Ok, donc ici, il va falloir mettre les défenses. Ça va nous éviter de mettre un mur là, puis le déplacer là-haut. Le train est arrivé, donc on peut... On met des éoliennes. Hein. Si possible aux endroits qui nous embêtent le moins. Peur pour celle-ci. Non, ils sont en train de se diriger déjà. Au jour 14, d'accord, on en est à la moitié du temps pour la première vague. De quai justement pour voir ce qui se passe par ici là, si je la mets là, ça serait parfait. Ça ferait un peu comme le radar mais en
en moins fort évidemment. Oui, du coup. Là-haut, on n'a pas protégé. Il y a quelques zombies qui arrivent. C'est pas un drame. Tire-toi si tu peux revenir voir tes collègues. Ça m'arrangerait. Yes, tell me. But be quick. Okay. Tell me. Ready and waiting. Yeah. Attention. Technology research finished. Okay. Nouveau bâtiment disponible, la tour de guet. On va faire ça comme ça et on va chercher à avoir de la pierre. Là ça nous bloque tout. Un 4 là peut nous laisser un 3 là. Un 4 ici peut nous laisser avoir un 2 et un 2 et un 3 ou un 3. C'est peut-être le plus intéressant. Ouais, je pense que c'est lui le plus intéressant. On pourra en mettre un là et après un ici. Je me doutais qu'il fallait pas que je les mette tous d'un coup. Ici, on s'est presque fait avoir, il n'y a qu'un seul domicile du malheur. Après, un seul, ça veut pas dire qu'il est facile à gérer. Voilà. Ok, alors là, c'est tout bon. On va mettre une porte pour faire bonne mesure. Comme ça. Mais la vérité... La vérité, c'est qu'on veut pas vraiment que la porte soit accessible directement. Elle est moins résistante que les murs pour par rapport à son coût et à sa taille.
go again. Attention. Building gotcha. Completed. Are you sure? You call that a plan? Voilà. On a fortifié comme on peut pour le moment le nord. Ici du coup c'est un peu mort, on va pas pouvoir aller plus loin. Pour moi, vous trois, vous venez là. Et je n'ai pas essayé, bon il faut 42 pierres, c'est normal du coup que j'ai pas encore essayé, mais de mettre mon marché. Quoi, il faut du bois, voilà. Il faut une soldate de plus, c'est parfait, tu es là. On a l'impression qu'ils peuvent passer, mais apparemment non. Ça devrait tenir s'il en a bien plus qu'un. Et ça a l'air bon. Voilà, parfait. Maintenant le marché. Et le marché dès que possible. Il va nous falloir une ferme, oui. Peut-être pas indispensable, mais bien pratique. Par contre, 19, puisque là je m'empêche d'avoir un 17. Un 20. Marrant ça. Par contre... Voilà. Si je veux pas m'en empêcher, ici que j'aurais dû la mettre là. La Syrie. Il manque des travailleurs, d'accord. Il va manquer des travailleurs. Donc au prochain train, ça devrait être faisable. Une sorte de petite vague. J'essaie de voir si je la vois arriver d'ici. Il y en a quelques-uns qui avancent, mais... Ça a l'air tout à fait correct. Détruis-moi. Voilà. Le spawner. Le chalet, les chalets, on va pouvoir en avoir, c'est très bien.
Non, peut-être pas besoin de récupérer ça tout de suite par contre. Et il nous faut le marché. Avec le train qui arrive, on se fait le marché. Et on réfléchit après. Enfin, on réfléchit déjà où on le met. Et ici, il m'a l'air d'être pas trop mal. On va acheter, faire chercher les maisons en bois, donc on va attendre. Ça se passe plutôt bien, on a qu'un seul mur, mais ça se passe plutôt bien. Par contre, là où ça se passe moins bien, c'est que... on n'a pas de bois et qu'il y a une vague qui va arriver. Mine, il faut du bois, j'aurais peut-être pas dû en augmenter autant, quoique. C'est bon. Ouais, là. Et là. L'énergie, ça va pour le moment. Je disais donc qu'il me faut une mine de fer. Donc 5, je peux quasiment tout avoir. Sinon, je suppose que je peux faire là et là pour en avoir 6. Effectivement. On va pas parler de radinerie, on va parler d'optimisation. Par où arrive la vague bientôt? Ils arrivent du nord. Il faut que vous finiez Léa le plus vite possible. J'ai pas d'or. Ça tombe bien, c'est le meilleur endroit où ils auraient pu attaquer. J'ai peut-être mis les tourelles un peu trop près. Alors c'est le meilleur endroit et le pire parce que mes soldats actuels sont le plus loin possible de... Mais non, ils ont le temps d'y aller donc c'est... Ça va. C'est là où j'ai des murs.
Et j'aurais voulu faire ça, mais non. Apparemment non. Bon, alors j'ai dit c'est le meilleur endroit, j'ai pas dit que j'étais prêt. Alors que j'aurais dû l'être. Je n'étais effectivement pas prêt. Mais ça passe. Voilà. Il faut que tu continues à produire, toi. Et ici, ça s'est bien passé alors qu'il n'y a personne. L'essentiel, c'est que ce soit bien passé, contrairement au reste de la colonie. Alors, hop.
What? You are gonna pay me for this, right? This better be good. Toi, tu fais là, hein? Non, non, en fait, si vous pouvez venir là, toutes les deux. Tout se passe bien, ça se passe tellement bien que je déborde de ressources, de toutes les ressources à peu près. Donc, il faut que j'avance. J'aurais peut-être pu moins augmenter de maison. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, il faut que je fasse des fermes, ouais. De bois, je vais essayer d'attendre. Alors, ce que je veux, ça me paraît bien. Si 20, 19... Il y a 20 quoi. 22, 13, il y a 17, là il y a 22. Donc là il y a 16. Non, il n'y a pas 13, justement. S'il y a 25, 25, ouais. Voilà, comme ça, c'est bien. Et reflo. Oui, très très bien passé. Les hordes sont bien passées. Il y a que... Il y a que celle où je me disais... celle-là, c'est peut-être un peu avancé de l'affaire. Qui... Oui, effectivement, elle était un peu dure. Mais les deux que j'espérais réussir, je les ai réussis. Ce qui est plutôt bien. Vous avanciez par là. Ah mais la fin de la carte est ici, ok. Je n'avais pas fait assez gaffe. Du coup... On va se mettre là. On a un autre entrepôt qu'on pourra caler quelque part.
Et surtout, il me faut 1000 d'or, d'accord. 1000 d'or, c'est avec plaisir, mais je veux aussi avec plaisir augmenter mes niveaux d'habitation. Voilà, qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc ici, on va mettre un mur par là, et un deuxième par là, et tant pis pour ce bout de carte. Il ne sera pas exploitable avec des maisons en tout cas, mais il sera protégé relativement. C'est pas grave si une scierie ici par exemple se fait détruire. Ici, non, j'ai pas encore les snipers, ça. Tu peux débloquer quoi dernièrement à technologie? Si t'as pas vu tous les derniers lives ou épisodes. Oula, non, ça devrait le faire. Je peux faire des tours de guet qui me permettent de voir dans une zone. Donc je m'en étais servi ici parce que j'apercevais une maison. Du coup j'étais en mode ah, du coup je peux pas attaquer de ce côté. Mais je peux pas attaquer ici parce qu'il y a aussi un village. Mais en fait, il n'y avait qu'une maison. Donc vu que j'ai vu ça, je l'ai détruite et j'ai avancé. J'ai débloqué les snipers. Je suis en train de les rechercher justement. Et j'ai débloqué l'atelier de pierre. Donc pour avoir des maisons en pierre. Il faut plus de monde là-haut. Voilà, quelques snipers. Là, j'ai fait toutes les recherches. Et ici, il faut que j'avance. On a dit le mur. Très certainement là où il veut bien dire. Et on va avancer. Zombie sirène, non, j'ai pas encore vu les harpies. Les harpies. Enfin, je pense que c'est elles en tout cas. J'ai une mission pour les débloquer. Pour les débloquer. Pour me les présenter un peu plus officiellement que. Tiens, un radar. Pour me les présenter un peu officiellement, on va dire. Mais je ne les ai pas encore affrontés réellement. Et alors, un truc que j'ai pas fait, c'est les grandes balistes aussi. J'ai des grandes balistes, il faudrait que je m'en serve. J'ai bien mis un mur ici en fait et je me dis ben voilà, je me fais une troupe pour attaquer ça parce que j'ai pas spécialement envie de mettre un grand mur là, ça fait un peu géant. Là-haut des balistes. Ah, tu vas faire du mot de passe avec ton Koh-Lanta. Sympa. C'est mieux quand tu connais la personne.
Je pense. Parce que t'as des... Tu te bases sur ce que la personne sait réellement et ce que... Et la complicité que vous avez, quoi. Mais... Ça va le faire, hein, de toute façon. Et ici, il faudra que je réussisse à mettre un truc aussi. Je peux pas ici. Assez de ressources, d'accord. Et plus d'or. Alors les snipers ils sont lents, mais on va quand même leur demander d'essayer de venir par là. Ça marche à plus. C'est déjà 17h du coup. Ah oui. Et bah tant pis. Alors je peux faire des maisons, des banques ou des murs en pierre. Ah oui, bah voilà. S'il repasse, je pourrais lui dire ça. En vrai, avoir deux snipers là-haut, ça sera pas trop normalement. Ah, il faut au moins que je mette un mur ici. On est au jour 21 sur 28. Je vais me mettre là. Je vais en mettre un autre ici. Ah si, j'espère que celui-là il est dedans. J'essaie justement de trouver le... Où est-ce que la tour radar était? On manque d'or, on manque d'or. Ça, ouais, dès que le train arrive, je commence les maisons parce que c'est mon meilleur moyen d'avoir de l'or, hein. D'avoir plus de monde. Ici, on va rajouter ça. Et on va envoyer deux autres là-haut. Et on va mettre un sniper par tour de guet.
Non, je vais avoir besoin d'énergie surtout. Ici, on va vouloir avoir des murs aussi. Et si possible, une baliste. Bon, elles en sont sorties. J'ai bien fait d'en mettre autant. Voilà, nous disions donc, on commence par augmenter les chalets parce que ça nous... Parce que le bois on en a, mais la pierre on en... on en produit beaucoup moins. D'ailleurs, en parlant de production de bois, là j'ai 15, là j'ai 11. J'ai re 11, mais en partie sur les mêmes. J'ai 12. Le 15 il est bien, mais le 15 il est bien, mais il empêche d'avoir plus de bois, du coup c'est pas si bien que ça. Alors le tissu là je pourrais pas le supprimer, ça me consomme des travailleurs, des de l'énergie et un coût. Ouais. Je le supprime. Tout ce qu'il faut, c'est que j'avance. Non, tu restes là. Tu restes là parce que en fait j'aurais même pas dû les... J'aurais pas dû enlever le radar. Il faut que j'ai le maximum de gens ici, de soldats ici. Déjà pour me défendre parce que je sais pas par où l'attaque va arriver. Et ensuite pour attaquer ce village.
pourrais faire une banque, ça va être bien. Sept. Tiens, non. 22. Six. Voilà, c'est plus l'énergie qui nous embête pendant qu'il nous sauvegarde. D'un coup, il y a une sorte de mini-vague, on sait pas pourquoi. Par contre, s'il y a la même ici, c'est un peu plus la mouise. Là. Un peu seul. On va d'abord se défendre. C'est demain la grosse vague. Voilà. Ok. Donc on en est bien au moment où j'anticipais. On n'a pas assez de pierres. Sachant qu'ici il n'y en a pas. L'endroit le plus proche, c'est ici pour avoir de la pierre, enfin le plus proche connu. J'ai même pas fait gaffe, c'était quoi les autres objectifs de la mission. Détruire tous les infectés, population de la colonie 1500, on en est déjà à 600. Détruire... Résister à toutes les hordes d'infectés, évidemment. Détruisez tous les villages maudits. On a détruit une maison et c'est pour ça qu'on va s'attaquer à la suivante. 76 jours, oui. Donc rien de si exceptionnel, c'est surtout 1500 personnes. Alors l'ouest, ok. Ouais, fou 3. On est là. Non, quoique, restez là. Parce qu'il y a un scénario catastrophe où l'ouest, il passe par le nord et le sud. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là tout de suite? Je peux faire. Ça. Hein.
46. C'est pas génial, mais. On fait ce qu'on peut avec l'herbe qu'on a. Non, je devrais quand même faire des murs. Un minimum. Du coup, je l'ai fait, mais trop tard. On va voir ce que ça donne. Je le sens très mal. En vrai. Je me suis pas préparé. C'est légitime si je meurs. Là ou là. Aucun des deux, le temps que ça se construise, c'est trop tard. Hein. En espérant que le train arrive et fasse un peu de nettoyage, parce que sinon... On est dans la mouise. Je me mets là-haut ou là-en bas. Je pense que vous deux, vous venez là, vous deux aussi. Et vous autres, vous essayez de monter par là. Sniper is ready. Death lovely.
C'est la mouise, c'est la mouise, c'est la mouise. J'ai plus de thunes, j'ai plus d'énergie. Bon, ça a l'air d'être... Oh non. Ça a l'air d'être la mouise. La grosse merdouille. Là, la base centrale prend quelques dégâts, mais pas trop. Mais dans pas si longtemps, il y a tous ceux-là qui vont revenir en mode boomerang. Et là, ça sera moins bien. Justement. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et vous allez là, vous allez là. J'ai l'impression qu'on s'en est sorti. À peu près en tout cas.
vous venez là. Il y a besoin d'énergie pour débloquer la suite, mais il y a besoin de bois qui a lui-même besoin d'énergie. Mais il y a toi qui va nous débloquer ce genre de choses, mais il nous faut quand même du bois. J'ai zéro de bois. Si, j'ai un peu de bois. En plus, le train arrive. Ça devrait le faire. Il faut commencer par ce dont on a besoin. Rejoignez vos copines. Renoyez vos copines. Voilà, maintenant qu'on a eu de l'électricité, il nous faut de la main d'œuvre. La main d'œuvre, ce qui est relou, c'est que qu'il faut attendre. Ah, quoique, si. Moins 4. Faut attendre le train, je pense. Ce qui n'est pas le cas en mode partie rapide. Ah non, non, c'est bon. Et on a de toute façon pas de pierre pour aller plus vite. Ça, il nous faut quoi? Il nous faut du bois. Les trucs de bois qui s'activent. Voilà, bon. Tout ça, vous m'attaquez. Il faut tout détruire. Pas très compliqué. Théoriquement, à part le métal, vous pouvez tout prendre, j'en ai besoin. Et en vrai, si le marché... Je sais pas s'il compte comme ça. Ok, au secours. Vous mettez là. Vous venez là. En espérant que vous ayez le temps d'arriver, ou au moins en partie. Sinon, il y a... Voilà. J'aurais peut-être dû plus protéger le poteau, là. Mais à part ça, ça va. Bon alors, ça fait beaucoup, je sais pas de quel côté aller, mais j'ai envie de dire de celui-ci. Parce que j'aurais moins les boules de mettre un mur ici que ce que j'ai eu à en mettre là.
Il y a besoin que de la pierre, d'accord. Et de l'or aussi. Non, pas tout de suite l'or. Voilà. Voilà, on est en train d'avoir tout reconstruit. Alors que ce n'était potentiellement pas très évident. Voilà, c'est bon. C'était chaud et évidemment on n'a plus beaucoup de jours pour avancer. Hop. Le bois, on s'en fiche un petit peu. Où est-ce que c'est l'énergie là? Le bois là tout de suite on s'en fiche un petit peu. C'est dommage ça. Mais le fer, ça peut nous remonter notre économie. Pourquoi il y a une infinité de gens qui viennent de là alors que j'ai jamais rien eu là-bas de construit? On avance, cabane de pêche, 22, 27 c'est pas mal. Ouais. À chaque fois là j'ai l'impression que c'est des snipers, mais ce sont des arbres sous la neige. 52 pierres, on va attendre. Par attendre, je veux bien entendu dire expand pour ne plus trop avoir à attendre après. Ah! Et il y a un village ici aussi. Oh, ça, il faut prendre. De
nourriture. On est plutôt content. Punaise. Je pense qu'on arrive enfin à l'ouest. Je me trompe pas. Est et ouest. Il y a une maison, mais on s'en fiche. Si on la garde un peu sous le coude, on va dire. Toutes les recherches sont faites, il faut pas oublier. Non, j'avais dit une banque. Alors, une banque, on va pouvoir en mettre une là. Peut-être pas parfait. Mais ça sera mieux que rien. Donc mieux que le statu quo. Là, on a expand pour pouvoir avoir plus de mines. Je peux faire ça, ça me prend pas le haut. Je peux faire ça, je pense que lui, enfin, lui, il est idéal pour sa position. Ça, ça va ensemble, oui. Est-ce que je peux en mettre un là, 3? Et j'en ai bien l'impression, hein. Ouais. Le suivant ici qui sera plus spécialisé en fer. Mettre ici. J'ai suffisamment de nourriture pour pas m'en inquiéter vraiment. Alors. Toi tu vas là, toi tu vas là, et vous, vous allez là. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plein d'or et de pierre. On prend les derniers trucs pour avoir de l'or. Maintenant qu'on a de l'or, on et des soldats évidemment, et il faut qu'on s'étende par ici le plus vite possible, et ça veut dire que j'y vais très lentement en ce moment, parce que le plus vite possible ça veut dire ne pas louper de cycle dès que les machins sont construits. Ça
paper is ready. Lovely death. Vous envoyez ici, vous. Il reste 2 jours. Pas ouf, 2 jours. Un, deux, trois, quatre, cinq, ah, six, sept, huit, neuf. Je n'ai pas fait grand chose. Ce cycle est s'en est très gênant. Enfin, j'en ai pas fait grand chose. Niveau. Non, mais en plus, vous avez pas besoin d'être là, vous avez besoin d'être ici. Niveau conquête de territoire et sécurisation de territoire surtout. Là, tout de suite, c'est la seule chose intéressante. J'ai fait de la conquête mais j'ai pas fait de sécurisation. Ça, pour moi, ça tient. Il y a peut-être ouais, ces deux murs là qui meurent, mais c'est pas si grave. Hop là, faut que vous me trouviez la fin du mur ici. Ok, c'est là. Ils vont arriver de l'est. Très bien. Cette fois, je serai prêt. Moment on va les faire patrouiller comme ça parce que alors je suis prêt mais seulement si j'ai mes soldats en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de soldats là. Pierre résiste mieux, mais les soldats mettent 6000 ans à arriver au secours.
Il y en a quand même la plupart qui sont déjà morts. Ce qu'il faut, c'est qu'ils évitent de trop arriver par là. Et si on aurait pu les amener là, ça aurait été parfait. Si on avait pu plutôt. Ah ouais, mais non. Il coupe l'énergie, du coup, cette porte-là n'a plus d'énergie. Ah ouais, c'est pas cool. Plus ou moins perdu. Ah d'accord. Certainement pas dû soigner ça, enfin réparer ça. C'est trop tard. Aïe aïe aïe. Mais de où? Ils vont crever aussi.
Eux, ils vont crever. Hein. Ouais. On pourrait les faire venir, mais ils vont se faire détruire sur le trajet. De l'énergie, il te faut un travailleur. Oups. Hop. Ouais, je peux mettre ça en pause. De toute façon, c'est pas alimenté. Ça aussi. Ça aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas mort ? Il faut des travailleurs pour avoir des nouvelles maisons, et il faut des nouvelles maisons. Enfin, c'est un peu un serpent qui se mord la queue là, l'énergie. Le cycle énergie. Énergie travailleur. C'est toutes, mais elles sont censées toutes être, avoir été infectées. Les scieries, toutes les carrières. Qu'est-ce que... Ça, non. Ah non, eux sont... Il y en a encore deux en vie, au moins. Il me faut au moins que je réussisse à trouver un d'énergie. Ah, reflot. Rien, rien. Tout va bien, tu vois pas. Tout s'est bien passé. Comme toujours. Punaise. Je sais pas quoi mettre en pause ou détruire. Cela on peut pas. Ça m'énerve un peu parce que j'ai toujours l'impression d'être softlock quand je survis à pas grand chose d'une attaque. Ou alors il faudrait que je reconstruise les trucs à la main moi-même. Voilà. Mais maintenant j'ai de l'énergie. Mais j'ai pas de... Mais il me faut des gens. Pour avoir des moulins. Il faut 37 personnes, please.
quoi qu'il me faut ici? Il me faut 4. Il me faut 37. 41 travailleurs. Mais je peux... En fait, quand je fais réparer tout, ça va me consommer un peu d'énergie. Mais ça va pas me donner des travailleurs parce que rien de là, j'essaie de refaire une réparer une maison, je peux pas. Je peux pas réparer les maisons et les chalets. Du coup, il faut d'abord réparer les moulins. Sauf que les moulins ont besoin de travailleurs. Du coup, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Ça ne marche pas vraiment. On va mettre tout le monde ici. Oh. Ouais non, pas vous en fait. Bon, il faut des gens là. Ouais, mais c'est ça, c'est... Il faut que je retrouve... de la place pour 2-3 tentes. Là j'ai fait 3 tentes. Mais 3 tentes, ça me donne pas beaucoup de... de travailleurs. Quatre, huit, 16. Tac. Tout mis en pause, j'ai tout mis en pause. Ce que je pouvais au moins. Je peux supprimer celle-là, ça me fera quelques temps de plus. Là, je peux pas en mettre. Mais j'ai essayé de... Ah, celui-là, j'ai pas vu. J'ai essayé de tout désactiver justement les bâtiments qui utilisent énergie et ou. Énergie et ou travailleurs. 6 x 4, 24, donc on sera toujours en négatif. Ça rajoute des colons, ça enlève de l'énergie, d'accord, mais... Attends, on va déjà regarder là. En deux. Si je détruis par exemple ce manoir infecté. 22, 0. Ça fait rien du tout. Parce qu'un manoir infecté ne consomme pas l'énergie, ne, n'apporte pas les gens. Il faut un d'énergie, là il faut 3, mais au lieu de ramener 2 travailleurs, ça en amène 4. Du coup, 2 tentes ramènent 4 travailleurs, 2 chalets ramènent. Un chalet ramène 4 travailleurs, mais les 2 tentes consomment moins d'énergie, d'accord. Et là, 8 travailleurs au lieu de 4, mais il faut encore beaucoup plus d'énergie, d'accord. Ouais, donc il faut vraiment des tentes. Il faut vraiment des tentes parce que c'est ce qui consomme le moins. Enfin, c'est ce qui rapporte le plus de travailleurs tout en ne coûtant pas de, beaucoup d'énergie.
Bon, maintenant il faut que je trouve qu'est-ce qui consomme mon énergie. Il est moins infecté, est-ce que ça consomme les travers? Je pense pas en fait du coup. Dès que c'est infecté, ça consommerait rien. C'est surtout ce qui n'est pas infecté, genre la cabane de chasse, ça consomme un d'énergie. Les cabanes de pêche ici consomment un d'énergie. Et même ça qui est loin et qui est censé consommer parce qu'elles sont en vie, vu qu'elles ne sont pas reliées au réseau électrique parce que ces antennes là sont affectées, ben ça m'aide pas de les supprimer en fait. Je peux faire de là. On a dit que ça rapportait combien? Ça rapporte 2 travailleurs. 2, 4, 6. Ça en demande 12 en vrai. En vrai, la banque, je peux la supprimer pour le moment. Voilà. Non, il n'y a pas de panneau solaire. On est obligé d'avoir des travailleurs. Là, l'énergie, je suis forcément au moulin. Après, il y a les moulins améliorés que je n'ai pas. Et il y a... Ah, mais je les ai pas encore. Je crois que je les ai utilisés en partie aléatoire, mais je les ai pas là. C'est les... Comment ça s'appelle? Des trucs qui te consomment du bois et ça te fait de l'énergie. Des brûleurs, des trucs comme ça. C'est ça, il faut que je détruise un manoir. Faire plein de petites maisons. Mais je croyais que j'avais de la place là-bas, bon c'est pas grave. Tac. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on reste en négatif pour le moment. 2, 4, 6, 8, 10. J'aimerais garder la place pour le... Pour la banque, mais je suis pas sûr. 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc là, je vais avoir un petit surplus d'énergie. Ouais, c'est ça, j'ai détruit un... Faut détruire... Une maison. Non, pas tout reconstruire. Faut attendre d'avoir le train. Faut pas trop hésiter à détruire les maisons les plus évoluées. Pour pouvoir refaire de l'énergie. Oui, maintenant que je suis en positif, d'ailleurs, oui, je peux reprendre des... Parce que les chalets ça demande moins, vu qu'il m'en restait. Eux par contre ils ont pas besoin d'attendre le train. Ils vont revenir tout seuls. Il y a le train qui arrive. Ce que je veux surtout éviter, c'est de re-avoir des problèmes d'énergie parce que c'est le pire truc. Là, j'ai des problèmes de bouffe. Mais c'est pas gênant, j'ai au moins une ferme à portée. Il est relié à quoi celui-là?
Ah, ici, ok. Ici, ça devrait se gérer tout seul. Là. Là, maintenant, j'ai de tout. C'est juste des travailleurs. Pour les travailleurs, j'ai de l'énergie. C'est surtout les travailleurs qui manquent. Et pour les travailleurs, il faut que je laisse reconstruire les maisons. Arrête de bouger sur le bureau, toi. Hop. Les allers-retours, ça suffit. Tu viens sur les genoux et tu te calmes. Encore là de la pâtée. Calme. Me mords pas. Et où? Attaque de chat. Ok, cela, ça se gère. C'était bien prévu. Our soldiers are in trouble. Any orders? Your sniper at your service. Who do you want to punish? Alors je vais avoir besoin de pierre très vite. J'ai aussi surtout besoin de bois, voilà. Ok, celle-ci, elle pouvait continuer. Le fer, pas vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un gros panneau pose que j'ai loupé ? J'ai l'impression que tout est bon. Et qu'on va pouvoir reprendre une suite de parties presque normale. Punaise. C'est que les travailleurs ne redonnent pas... Enfin, les maisons avancées ne donnent pas... Plus de travailleurs, elle donne surtout plus d'argent. C'est ça qu'il faut se souvenir quand on doit reconstruire. Ils sont moins efficaces au niveau énergie. Ouais. Or. Que t'ailles là, il faut que tu débloques celui-là aussi. Celui-là. On va essayer de mettre la banque là. Vous venez là.
Ok, c'est en train de reprendre forme. Une maison infectée, ça coûte. Ça coûte quand même beaucoup de ressources. Deux de pierre, trois. Deux bois, trois de pierre. Ressources qui m'intéressent le plus. Ça coûte quand même moins de réparer que de construire du nouveau. On dirait que c'est l'inverse de la réalité, ça par contre. Quand tout le monde veut construire des nouvelles maisons, mais pas rebâtir de l'ancien. Ok, là, on va plus avoir de problème d'énergie. Tac, ici on s'en fout, ici on s'en fout. Ce qui compte vraiment là, c'est aussi d'avancer. Pour pouvoir mettre des murs, un mur ici, ce qui nous aurait épargné pas mal de soucis. Ok, il y a une attaque. Il y a une attaque. Pendant que il y a une attaque de chat aussi derrière moi. Voilà. Ok, non, ça se passe très bien. Avec des snipers. Il nous faut absolument de la pierre assez vite, c'est ce qui est en train d'arriver. Toutes les mines de pierre sont en train d'être réparées. Là, vous fassiez des allers-retours ici. D'ailleurs vous, vu qu'il y a masse aller-retour là-bas, vous allez venir là. Ici c'est censé être protégé. Bon, le plus gros défaut c'est que là on est au jour 55 sur 57 et on n'a toujours pas bloqué ici ce qu'on aurait dû faire, mais on a perdu trop de temps avec... cette histoire d'énergie et travailleurs, main d'œuvre. Du coup, on sera pas prêt. Ah mais non, mais ça, c'est venu par la droite ou par la gauche, je sais même plus. Ok, j'étais en train de me dire, ils arrivent. Il y avait plus de ça qui était censé arriver, mais c'est bon. Les snipers arrivent enfin. C'est les plus lents.
là. De la pierre. Quand tout le monde est là. On va taquer ici pendant qu'on va agrandir là. Voilà, on détruit les maisons le plus vite possible. L'XP c'est bien, mais non. On a surtout besoin de d'avancer. Secours. Ici on a dit qu'on avait besoin de pierre. Ici ça nous en donne 5, ici 6. Ça m'a l'air d'être des bons endroits dans le sens où ils bloquent pas tout le reste. Et là j'espère pouvoir en mettre un ici. Mais ils sont sérieux. Alors, on va commencer par là. Ok, il y a d'autres maisons. Ici ensuite. Ici, on va faire des murs en bois plutôt, hein. Voilà. On va augmenter ces murs-ci un petit peu. Ici, c'est censé être bon. On va laisser tout ce beau monde. Ici, c'est clairement pas bon. Est-ce qu'il va nous falloir 2 à 3 rangées de murs avant de pouvoir dire qu'on est correct ici. D'ailleurs, venez là. Est-ce qu'ils peuvent passer par là-haut ? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on maintient le mur ici? On va plutôt le maintenir ici.
Quoi? Ah oui, d'accord. Hop, vous venez là. On va en mettre un, j'espère que ça suffira. Ici, quoi qu'il arrive, il faudra que ça soit là, donc autant en mettre de bonne qualité. Voilà. En vrai. Units under attack. My rifle is ready. Our defenses are being attacked. All right. Trying to break into the buildings. The walls are under attack. They are infecting our buildings. Our forces are in danger. To kill something. Ouais. Non, là, il n'y a personne. J'ai fait personne. Très bien. Go, hein. Ils peuvent passer à travers, c'est parfait. Bon, dans tous les cas, c'est mort. Ouais, cette fois-ci, c'est mort de tous les côtés. Mais ici, c'était... Ouais, j'aurais dû forcer de mettre un mur par là. Même si c'était bizarre. Laisse tout couper.
Si j'avais peut-être mis de l'énergie, peut-être que ça fonctionnerait toujours les tourelles, mais vu que ce n'est pas le cas, bah c'est mort. Du coup, il faut vraiment protéger cette artère-là si je veux qu'au sud ça tienne. Là-haut, c'était bien. À l'est, bof. Pas eu le temps, quoi. Mais à l'ouest, il faut bien protéger là, bien mettre 2-3 murs peut-être, 2-3 portails. Et mettre des murs derrière parce que ici on s'en fiche un peu au final. Et à partir du moment où eux vont taper une antenne Tesla qui est sur la ligne, c'est mort. Et c'est un échec de la mission. Et ben, on aura appris plein de choses. J'espère que vous aurez aimé apprendre autant de choses avec moi, on va dire ça comme ça. Sur cette mission du lac gelé. Ça démarrait très bien, mais je pense que j'avais trop de snipers en pourcentage ou pas assez de snipers au total pour survivre à ces attaques. J'aurais dû avoir plus de soldats ou un meilleur mix soldats, soit un meilleur mix soldats sniper, soit juste tout simplement beaucoup plus de snipers. Voilà, je ne sais pas trop mieux quoi dire. J'espère que l'épisode vous a plu quand même et à bientôt.